Ouais, c'est que plus il y a de gens, plus les équipes elles sont fières parce qu'ils savent qu'il y a avoir du public et on peut arrêter de putain de trucs. Ça nous motive à danser parce que tu sais, la classe street on vient avec toute la famille. Ah ouais, nous on vient. Ouais, venez avec votre famille parce qu'il faut nous la danse aussi. Nous on dépasse tout le 9-4 je crois avec les RK et la street, on dépasse tout le 9-4. Ah ouais, parce que nous franchement on aimerait bien que le mouvement il continue. Bah là ça va être votre jour alors le 28. C'est sûr. Et tous les anciens du mix, tout ça, revenez. Ouais, revenez tous. La Sana, reviens. Ouais, la Sana, reviens. Tous les gars de Champigny, tous les gars de balles. Il y en a beaucoup aussi qui, genre lui, sont venus au championnat de France, ont vu le niveau qu'il y avait, et il y a plein qui se sont dit, bon, voilà, j'aurais dû continuer, d'autres qui se sont dit, ah ouais, le niveau, il est trop haut. Non, mais ça, ça veut rien dire. Il faut pisser les bras avec. Ça, c'est du travail, hein. On chie pareil, on pisse pareil, c'est bon, il faut s'entraîner après. Vous, votre objectif, c'est quoi? Gagner le championnat de France cette année? Ouais, gagner le championnat de France. Moi, ce serait bien quand on en finale contre les RK. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est pas nos, voilà. C'est nos potes, mais. Qu'on va vous donner du fil à retordre. Ça va être du feu. Si on compte contre les RK, ça va être du feu. Ah non, franchement, on va se donner à fond et après, les RK gagnent. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent dans le graphique? Bah ouais, moi je disais, c'est l'ambiance vraiment underground, tout ça. Et le truc qui me fait chier, c'est que les spots, tout ça, ils sont trop. Il y a trop de bruit derrière, tout ça. Non, nous on kiffe quand c'est la guerre. Ah, c'est la guerre. C'est le feu. Ouais. Moi je suis un mec de bordel. C'est Vertipad. Et au Vertipad, moi je suis calme. Ouais, hein. Ah non, les pop, ils sont meilleurs. Voilà. Mais je suis calme, non. Les spots qui tout, c'est pas des mecs de Verti. Ouais, c'est des gens qui sont arrivés après dans le Verti. Non, c'est pas leur problème. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Ça serait dark que vous évoluez. Venez pas et changez pas. Et changez pas le truc. Venez, adaptez-vous à ce qu'il y a. Je crois que c'est eux qui vont venir comme ça et c'est eux qui vont changer le verdict. Ils vont jamais changer les promos. Ouais, c'est par rapport aux acrobaties. La milice contre les acrobaties. C'est mais après, après ouais. Ils ont le droit de penser. C'est quoi ces votes? C'est quoi ces votes? Mais ils ont le droit de penser qu'il y a trop d'accro. Après, c'est peut-être. C'est notre style aussi. Oui, après. C'est pas parce qu'ils le pensent qu'ils ont raison. Eux mettent des hypercuts, nous on fait les accros. Mais ce qui est archi bizarre, c'est qu'on regarde chaque fois. Sur notre battle, ils parlent, ils disent qu'il y a trop d'accro, mais qui regarde le battle de sa pote la mafia? C'est abusé. C'est abusé. Voilà, c'est le cirque. En plus, franchement, nous on a fait des accros, mais les accros, franchement, c'est pas pour faire le mec retard, mais elles étaient belles. Moi, à mon niveau, je permets les accros, parce que pour moi, il faut faire partie de la culture électro, ni de la culture électro, il faut en partie. C'est du cirque. Et basta, après, tu fais ce que tu veux. Il faut le souligner, il faut le souligner. C'est du cirque, les accros. Dans toutes les danses, c'est les accros. Toutes les danses. C'est quand t'as fait mieux, c'est manger une. Même le rock acrobatique. Même la salsa. Bah oui, la salsa, les meufs, elles sautent tout ça dans le rock aussi. Il faut arrêter de croire que c'est hip-hop. Vous connaissez rien. C'est une fois que c'est hip-hop, c'est que vous connaissez rien. Non, peut-être que tu connais tout. Non, peut-être qu'eux ils disent que par rapport à leur culture et comment c'était avant, aujourd'hui, le fait de voir les accros, ça altère un peu leur culture. On était claqués avant. C'est vrai. On avait des trucs roses. Non, moi j'avais pas. Les autres là, ils avaient là. Je dirais pas les noms, mais. Ceux qui traînent à Rivoli là. Ils savent. En plus, ils savent. Ils avaient les trucs roses. Les anciens de Rivoli. Là, j'ai pas dire, c'est la bonne période. Ça a bien été relancé pour le championnat du monde. Il y avait des bonnes synthés et tout. Là, il y a eu le Kings, c'était tard, il y avait beaucoup de public. Là, il va y avoir le championnat de France, et il y a eu toutes les grosses équipes qui sont inscrites. Il faut que là, l'événement, il pousse, et que les gens, ils se disent que c'est vraiment de l'électro, que c'est plus le mouvement tectonique. Parce que là, on a été oubliés, et là, vu qu'il va y avoir le battle contre les gars du pop, que ça soit bien, bien en béton, qu'on soit tous là. Milliard, entraînez-vous bien. Ouais, la team de plaisir, il va faire. Nous, on sera là pour vous suivre. Rendez-nous fiers, quoi. Parce que c'est pour ça qu'on peut mettre des gens comme Spock. C'est une proposition parmi. Plutôt la mélange. Comme on a dit, ça va être la guerre quoi. J'avoue, faut pas s'acharner que sur Spock. Parce que les gens du monde. Déjà, ils ont des sneakers aussi. Et ils ont proposé des sneakers, ils ont proposé des cartoons. C'est abusé. C'est sérieux. C'est la quatrième. Parce que je veux dire un truc, c'est que les gens du pop, ils vont venir. Bon, les gens de l'électro, on va venir. On va les foudroyer comme ça, puis on va pouvoir parler d'eux. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une team solide. Moi j'ai confiance en toi, Miller. Une team solide. Faites comme nous, ramenez tous vos potes, vous faites une grosse famille là-bas. Parce qu'il y aura tous les gars du pop. Ça va être un moment emblématique. Non, faut faire une team de fou. Et ça encore, à la rigueur, on attend pour savoir la vraie team. La vraie team, Cerise, il pourra nous la donner, mais avec Cerise, il n'y a pas d'information qui filtre. Non, sérieusement, je ne sais pas la Jimmy. Mais moi non plus. Ça veut dire, je sais, Jimmy m'a appelé hier, il m'a dit en exclusivité. On en parle après le en exclusivité. Fermez la caméra.
Une autre question, est-ce que chacun votre tour, est-ce que vous pouvez me dire des gens que vous aimeriez bien affronter dans le futur si un jour on faisait une journée 1000% des... Je savais. Moi je sais. Un duo après notre 1000% contre si Sony et Curtis ils le font. Là on attend leur réponse encore s'ils sont chauds ou pas. Mais un duo il nous a fait plaisir. Parce que nous on veut taper que en duo les 1000%. C'est, voilà, c'est notre spécialité. Ouais, nous c'est notre spécialité. On aime les boucantiers comme nous. Nous c'est Tyrell et John. Franchement ouais, les mecs, hey, j'ai un gros respect pour vous. Non, c'est la famille, les deux, c'est la famille. Mais franchement, je vous ai regardé, vous m'avez fait grave plaisir quand vous dansez. Ouais, et ouais, danser contre les gens comme vous. Voilà. Ils auraient dû aller en finale contre son exagéré. Ouais, j'aurais aimé que ce soit ça. C'est ça aurait mieux. Ouais, ceux qui vous auraient dû taper un peu plus pour les corrects et Tyrell. Le king numéro 2. La finale était flinguée pour moi parce que RK contre RK ça veut rien dire. Pour moi. Ouais, mais ça pour. J'aurais préféré RK contre notre team, quelle qu'elle soit. Mais pas RK contre RK. Mais par contre, ce 1000%. C'est dommage. Il sera intéressant. Celui qu'on là on propose. C'est bien pour vous. Mais c'est dommage pour le king. On fait pas de demande. On fait pas de demande, mais juste. On dit juste. Juste un petit mot par rapport au Kings. Franchement, le Kings 1 et le 2, il y a rien à voir. Le 2, il était claqué. C'était le fun. Le fiasco et Kings, ils ont fait le Kings comme ça, ils étaient assis. On fait le Kings. Ouais. Et ils sont arrivés en quart de finale, je sais pas quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de groupes, parce que le Kings, c'est un événement où tout le monde veut y accéder. Ouais. Le jeu, on a vu trop Kings. C'est pour ça qu'on a ouvert, 64 teams, parce que tout le monde veut le faire. Le premier, il était d'art. Mais t'imagines la logistique pour nous, c'est faire passer 64 teams, comment c'est dur. Moi au début quand t'as dit que 64 teams, je disais que ça allait être des présélections, genre t'allais faire un vertical et présélection, et qu'après il y aurait un vrai vertical, tu vois, c'est que c'était sélectionné. Ça ça aurait été mieux, comme Solis l'a dit, qu'il y aurait, comme il a dit, ouais, les ceux de Reims, tout ça. Être désolé aux danseurs de Reims. Tu vois, le vertical Kings, qui sont restés... Moi j'ai trouvé que j'étais pas préparé les mecs. Les meilleurs, tu vois. Comme le premier. Ah oui. Un binôme de chaque grosse. Quand on voyait Mimi tous kéké, des trucs comme ça. Ils ont aucun de finale. Alors que ils sont partis, même pas pour faire le Kings. Ils étaient assis comme ça, bon vas-y, viens, on fait le Kings. C'est un truc de ouf. Bah, tu l'as vu, on t'a dit où il n'y a pas le truc. Eh, hey, ils voulaient les faire. Ouais. Sorry. Après, ils ont perdu contre premier les cartons. On a été sur les 8%. Et là, il y avait Kira et Stitch qui proposaient des binômes. Voilà. On dit juste comme ça. Mais par contre, le plus intéressant serait Sony et Curtis. Eux, on les veut vraiment pour moi. Parce qu'on a une petite revanche à prendre. En plus, on sait qu'ils taffent. Ils taffent quand il faut. Nous, voilà. Mais c'est la mentalité qui est bien. Ouais, ouais, on kiffe leur mentalité. En plus, eux sont un peu comme nous. Ils sont pas trop mélangés dans le... Parce que voilà, généralement les danseurs d'électro se connaissent tous, ils vont en retrait. Ouais, c'est dans une matrix. On a ça en retrait. Parce que voilà, on a une vie à côté. Bah oui, ouais, le permis, tout ça. Bah ouais. Bientôt je l'ai en fait pour les mots. Ouais. Ouais. Et Urkel. Yeah. Rémi Casso. Moi c'est vrai, j'aimerais bien redanser contre Aïe Louette. Qui? Redanser 1000%, on t'a dit. 1000%? Je sais pas encore. C'est pas un mec qui te... Pas un mec. Luc. Ah le boxeur. Non, c'est vrai, là je vois pas. Non, il a gagné mon frère. Casco. Est-ce que l'évolution électro ça vous plaît? Ou est-ce que ça va dans une bonne direction? Ouais. Ou est-ce que ça va dans une mauvaise par direction? Par contre, faut pas faire des vieux 8% qui servent à rien. Je vais parler tout franchement, Mino contre Jerem. Rien que quand il a demandé, je savais qu'il avait perdu. Il est venu en jean. Converse, veste Adidas. Wesh mon frère, Pogel archi bien fait. Moi je danse pas quand je suis comme ça mec. Non mais on aurait dit, mais non, les 1000% c'est ouais, c'est pas accessible. Ouais, c'est pas accessible mec, il est pas connu. Mais Jérém, t'aurais pas dû le faire aussi, t'aurais pas dû le faire. Mais c'était pas prévu, c'est parce qu'on avait un petit peu de temps papons, ouais. Et on l'a mis en place. Jérém tous les 1000% aussi. C'est vrai que Jérém il accepte trop 1000% aussi. Jérém il veut tout accepter, cousin. Bah ouais, arrête là. Bien sûr, si Jérém te demande 1000%, tu vas accepter. Il veut tout le monde. C'est bien de terminer, mais c'est mieux de terminer les grosses. Tu aurais dû faire un round 2 à une main, contre 1000%. Ça. Il fait 2-3 000%, c'est bon. Après, ça va dégringoler. Ça va mais dans le hip-hop, les mecs ils font des fois 1000% pour un an. Ouais. Et vous, vous en faites c'est comme Amzo. Ouais, voilà. Comme Amzo, quand elle avait fait tous ses 1000%. Au début, c'était même bien. Luchi, là, il veut refaire un. Non, faisait un tout. Luchi, il veut refaire 1000% de Linux. On dirait que c'était des. Luchi, ça fait longtemps qu'on a plus vu Overfight. Bah oui. Très longtemps. Non, non, mais vraiment, Yuva, je pense que tu devrais pas accepter tous les 1000%. Mais il y a plein que je refuse. Non, c'est n'importe quoi aussi. Là, j'ai un Blaco contre Carrefour. J'en ai dit non. Blaco contre Carrefour. C'est qui Blaco? Blaco, c'est Elite Devgem. Yo, Elite Devgem. Les mecs de Villiers. Le petit Villiers là. Joker, tout ça. Ah, c'est Joker. Ah, c'est Joker. Joker contre. Il y a même
Cartoon. Du Cartoon. Moi je lui ai dit, est-ce que tu penses que ça va intéresser les gens? Et là il a compris. Non, non, zéro vue, zéro vue. De quoi? Il n'y a que sa famille qui me regarde. J'ai de quoi. Et la dernière question, est-ce qu'il y a un sujet que vous avez voulu aborder? Il rigole. Est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez voulu aborder? J'ai vu